Si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, c'est Anto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va... Ouais, salut ça, ouais, moi c'est tranquille, merci. Ouais, sur le Discord d'Anto-sensei, on est presque 1000. Donc ma question préférée, pourquoi t'es pas encore sur son serveur? À quoi tu joues? À quoi tu joues là? Tu te prends pour qui? Si tu veux parler d'anime, de manga avec de nouvelles personnes, viens dessus. Et puis Anto-sensei se connecte tous les jours dessus. Alors tu vas dans la description, tu cliques sur son lien et t'y vas. Bon, là y'a Anto, je peux pas te menacer, mais toi-même tu sais. Bon, salut, je me casse la tête là. Merci Donald Trunk. Bref, aujourd'hui les gens, on va voir ces animés où le héros a un pouvoir tellement puissant qu'il doit le cacher aux yeux de tous. Sur ce, let's go! Bunen no Zamdu, nous serons amenés dans une petite île. Sur cette petite île en paix, nous rencontrerons notre personnage principal, Akiyuki Takihara. Ce dernier, en allant juste à l'école, va être pris en sortant de son bus scolaire dans une explosion. Akiyuki va revenir sur le lieu de l'accident dans le but de voir si des gens sont blessés. Mais à la place, notre perso va recevoir un pouvoir incommensurable d'une jeune fille qu'il avait secouru quelques minutes avant. Ce dernier sera pris dans une aventure où il sera le centre de l'attention. Nous le suivrons donc dans sa nouvelle vie avec un pouvoir ultra cheaté. Pour te faire comprendre quel niveau le mec a, c'est comme si son nouveau pouvoir pouvait le transformer en Kyuubi dans Naruto dans le plus grand des calmes. Tu vois la puissance du gars ou pas? Du coup, tu t'en doutes, mais ce mec ne pourra plus avoir une vie tranquille. Il sera alors enlevé par un équipage avec lequel il devra vivre. Alors déjà, parlons du personnage principal. Ce mec est ultra intéressant. Il est très intelligent et sera capable de se sortir de n'importe quel problème. Au début de la présentation, je t'ai dit qu'il avait limite la puissance d'un Kyuubi de Naruto. Et bah tu fusionnes la puissance de Kyuubi avec l'intelligence de Shikamaru. Tu te rends compte à quel point le héros est cheaté ou pas? Le gars est inarrêtable. Cependant, il est ultra fier. Du coup, il fera souvent n'importe quoi par contradiction. Donc t'inquiète même pas mon gars, tu vas t'enjailler comme jamais avec cet animé. Concernant les combats, j'ai été ultra surpris par l'animation. Je m'attendais pas. Je pensais vraiment que ce serait banal, mais en fait pas du tout. Tout sera super bien fait. Tu ressentiras la lourdeur des coups, la vitesse des adversaires et l'intensité de chaque scène. J'ai vraiment été choqué par une telle qualité d'animation. Au niveau du message de l'animé, tu auras un questionnement sur la guerre et ses dérives dans le monde ainsi que ses victimes. Je trouve que l'animé est très pertinent à regarder à notre époque avec certains pays qui nous font croire qu'ils ne sont pas en guerre alors qu'en réalité, une fois que tu vois ce qu'ils font dans d'autres pays, tu te rends compte qu'ils en sont vraiment pas mal proches. Tokyo Ravens, Tsushimikado Arutora fait partie d'une prestigieuse famille d'Omyoji, des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des esprits afin d'utiliser leurs capacités pour se battre. Mais il y a un tout petit problème avec notre héros. Bon, rien de bien ouf. En réalité, notre petit Arutora ne peut pas voir les esprits. Donc oui, c'est assez chiant quand t'es une sorte de chasseur d'esprits de ne pas être capable de les voir. C'est comme si t'étais un pompier et que t'avais peur des flammes. T'as capté ou pas? Notre petit Arutora va donc abandonner son destin de devenir un Omyoji pour vivre une vie tout à fait simple d'étudiant banal dans une ville banale. Ainsi, il décevra tous les membres de sa famille ainsi que sa cousine qui, elle, est l'héritière du clan et aurait aimé avoir Arutora comme collègue de travail. Cependant, le quotidien de notre Arutora va terriblement changer lorsqu'il reverra sa cousine des années plus tard. Alors cet animé a été ultra chiant à regarder dans les premiers épisodes. Je me suis ennuyé comme jamais, mais tu me connais, j'ai forcé et finalement par la suite, j'ai compris beaucoup de choses qui n'étaient pas expliquées au début et qui du coup rendaient l'animé ultra chiant à visionner. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est que tu verras
certains personnages principaux mourir. Et oui, t'auras pas la sécurité d'avoir un groupe de potes qui lutte contre les méchants sans jamais mourir. Non, ici, personne n'est à l'abri de perdre sa vie. C'est assez kiffant de le regarder en ayant peur que son personnage favori meure. Ensuite, concernant les combats et leurs animations, j'ai ultra kiffé. Ici, en fait, tu verras qu'il y aura une réelle volonté de faire des combats propres avec de la 3D maîtrisée. Et surtout, petit avantage que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on voit vraiment les héros souffrir ou être tristes. T'auras vraiment les visages de nos héros se décomposer, limite tu ressentiras leur douleur. Ils passeront de tête basique à une tête pleine de convulsions avec les yeux qui sortent et de la bave qui coule. Certains diront que c'est dégueulasse, mais je trouve que ça rajoute un aspect réel. C'est-à-dire que les réalisateurs n'ont pas peur de rendre la scène sale. Même si le personnage est une fille coquette et mignonne, bah quand elle se battra, tu verras vraiment son visage changer en fonction de sa douleur. Ensuite, concernant les OST, rien de bien ouf. Le chara-design est normal, mis à part bien sûr dans les moments que j'ai dit précédemment. Donc si tu recherches un animé où t'as un groupe de persos qui peuvent décéder à tout moment, avec des héros qui ont un pouvoir ultra énervé, fonce, tu vas kiffer comme jamais avec cet animé. Seisen Cerberus, on sera dans un univers où trois nations existent, le royaume de Ishilfen, Amoria et Vanrudis. Nos trois nations ont une puissance similaire. Cette égalité de puissance permet ainsi aux citoyens de vivre en paix sans réelle guerre. Cependant, un beau jour, sorti de nulle part, quelque chose va arriver. Devine quoi? Et ouais, t'as trouvé, un putain de dragon géant random va apparaître dans ce monde et va tout dévaster sur son passage. Mais un groupe va essayer de l'éliminer. Tu l'auras compris, ce groupe va complètement se faire détruire par le dragon. Ce sera un échec total. Notre aventure commencera à ce moment. Notre héros sera un enfant des combattants ayant participé au combat contre le dragon. Celui-ci aura la rage d'avoir perdu sa famille et tel un Sasuke Uchiwa, il va décider de faire du sale à ce dragon en guise de vengeance. Nous le suivrons donc dans son aventure pour affronter ce dragon. Alors franchement, cet animé est juste grave bien. Notre personnage principal, donc Hiro, sera le style de gars qui aura énormément d'honneur et ne laissera pas un faible se faire victimiser par un fort, même s'il sait qu'il va se faire détruire ensuite. Je kiffe cette mentalité. Le héros me fait penser à Izuku de My Hero Academia. Le mec est pas mal faible, mais il est tellement frustré quand il s'aperçoit que des gens sont dans le mal qu'il peut se sacrifier pour les sauver malgré son manque de force. Ensuite, derrière cette histoire de guerre entre lui et le dragon, t'auras beaucoup de textes idéologiques. Avec par exemple les nobles qui en secret exploitent la population par l'esclavage, lavagisme, taxes ou autre genre de manipulation. Aussi, une petite leçon sur le fait que les gens ne font rien de leur vie mais attendent le changement alors que c'est à eux de se bouger. Le monde ne va pas se mobiliser pour changer ta situation, tu es le seul maître de ton destin. L'anime fait enfantin mais tente de le regarder avec une approche plus adulte et tu comprendras plein de subtilités assez intéressantes. Donc si t'as rien à théma, fonce le voir tout de suite, tu risques de kiffer comme jamais en regardant cet anime. Strike the Blood, nous serons dans un monde où on peut trouver des êtres surnaturels vivant avec les humains. Des vampires, des sorciers et autres individus peuvent exister. Nous nous intéresserons à Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du vampire le plus puissant du monde et maître de tout. En bref, tu l'auras compris, mais notre héros sera un gars ultra cheaté. Et je pense que tu t'en doutes, mais ce mec devra se cacher pour ne pas s'attirer d'ennuis d'organisations en tout genre voulant l'utiliser à des fins secrets. Cependant, notre petit Kojo va malheureusement se faire choper par une organisation qui l'obligera à avoir une meuf avec lui pour s'en occuper et aussi et surtout l'éliminer s'il se met à abuser de ses pouvoirs incroyables. Nous suivrons ainsi la vie de nos deux jeunes personnes dans un monde où notre personnage principal est vu comme la cible à éliminer à tout prix. Alors cet animé, je l'ai ultra kiffé. Dedans, tu suivras un duo ultra puissant qui n'hésitera pas à couper la tête de leurs ennemis dans leur combat ultra abusé. Bon, si t'aimes les animés d'Arem et d'Echi, fonce tout de suite le voir. Bon, d'habitude je regarde pas trop d'Echi, mais ici je trouve que c'était pas lourd, c'est-à-dire qu'il y aura certes des scènes sexy, mais pas en mode abusé. Pareil pour le harem, ce sera un harem de qualité. D'habitude, tu vois une foison de filles qui veulent juste le corps du héros et qui du coup auront des personnalités copie type du stéréotype de filles d'Echi d'harem. Ici, non, t'auras des filles avec des personnalités différentes, bien distinctes et surtout originales. Concernant les combats, ce sera pas du niveau d'un Hajime no Ippo, mais ils seront cool à regarder quand même. Le héros aura un vrai charisme et n'aura pas peur de faire certaines choses à certains moments. Donc si tu veux un animé avec des grosses patates et un groupe de filles ultra belles, après le personnage principal, fonce, tu vas t'en jaillir en regardant cet animé. You
Yusha Ninare Nakata, on sera envoyé dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Nous nous intéresserons à Raoul Chaser, le numéro 1 d'une grande académie de formation de héros. Celui-ci est ainsi l'homme qui est le plus près du grade de héros pour aller ensuite fumer le roi démon. Malheureusement pour lui, à la fin de ses études, le roi démon va être vaincu et ainsi le boulot de héros perdra toute sa renommée et ces derniers deviendront inutiles à cette époque où la paix règne. Nous suivrons ainsi notre gars qui autrefois était le futur du monde et sera un vulgaire mec normal. Il va ainsi se trouver un travail dans une sorte de magasin d'objets magiques pour y vivre normalement. Cependant, parce qu'il faut toujours un cependant, notre héros va rencontrer une nouvelle collègue dans son job. Et devine quoi, elle ne sera que la fille du roi démon qui a été éliminée. Notre héros va donc devoir s'occuper d'apprendre tout sur son job à cette jeune fille qui sera plus que capricieuse. Nous nous concentrerons ainsi sur leur vie plus qu'anormale. Alors je sais ce que tu dis. Le synopsis est éclaté, il te donne pas du tout envie. Mais non mon gars, c'est là où tu es dans le mensonge. En réalité, il y a un vrai message dans cette histoire. Par exemple, déjà le fait d'être celui qui est censé sauver le monde, mais qui finalement se fait doubler et devient un mec lambda. Ou même celui d'être dans le camp des méchants et qui avec le temps nous montre qu'elle est juste une bonne personne qui ne savait en réalité rien de la vie en dehors de son château. Et surtout mon gars, n'oublie pas ce que j'ai dit au début. On sera propulsé dans la vie de l'ancien numéro 1 d'une école de héros et de la fille du roi démon. Donc des êtres ultra cheatés. Tu penses vraiment que leur vie se résumera à juste te proposer d'acheter le dernier frigo en promotion? Non, t'inquiète même pas, tu verras des scènes assez stylées dans cet animé. Alors fonce tout de suite le thème, tu vas kiffer comme jamais. Garo Ono Noko Queen. Nous serons envoyés dans un royaume à une époque où les chevaliers font la loi. Dans cette époque, les sorcières sont vues comme étant des menaces et sont, une fois trouvées, tuées. Nous nous concentrerons sur Louis Leon, un enfant de sorcière. Ce dernier vivra avec son père, un redoutable chevalier, Makai Kishin. Des combattants affrontant et tuant les Oros, des sortes de démons manipulant les gens et les dévorant. Notre petit Louis, lui, est le détenteur de l'armure d'or des chevaliers, le Garo. Donc le gars pèse dans le game, c'est pas une merde quoi. Il va ainsi chercher à se venger de cette idéologie de tuer les sorcières à tout va tout en protégeant les personnes des Oros. J'ai ultra kiffé cet animé. Le chara-design n'est pas fou, mais l'histoire, l'ambiance de l'époque et les combats sont incroyablement stylés. Tu devrais retrouver un peu de 3D, mais je trouve qu'elle est super bien maîtrisée et pas dérangeante. Elle contribue à rendre les combats encore plus magnifiques à voir. Concernant l'histoire, t'auras la vie de notre Louis d'un côté et celle d'un autre perso tout aussi important de l'autre. Du coup, on suivra les aventures de deux persos importants dans une seule histoire. Et je pense que tu te doutes que ces deux gars vont tôt ou tard se voir. J'aime bien ce genre de bail où tu vois plusieurs personnes évoluer et tu comprends leur motivation et limite tu sais plus vraiment qui soutenir puisque tu as les raisons des deux côtés et tu t'es attaché aux deux persos. C'est assez sympa ce genre de déroulement dans une histoire. L'animé est assez violent, donc si t'es assez jeune, ne le visionne pas, tu pourrais être choqué. Mis à part ça, l'animé est ultra cool. Alors si tu cherches des combats de fous furieux avec des jeux de pouvoir politique, tu vas kiffer. Cet animé me fait beaucoup penser à l'animé Akamega Kill. Donc si t'as kiffé, tu devrais t'enjailler comme jamais en regardant celui-ci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss, et à la prochaine.